Salut tout le monde! Bon, un petit peu déçu, la dernière fois on m'avait maquillé, mais bon, visiblement... Ok, on refait, pardon. Salut tout le monde! Donc, comme vous le savez, Macron et son gouvernement nous imposent une réforme des retraites. Je vais pas vous expliquer en quoi elle est injuste, antisociale et qu'on va tous se faire parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà convaincus. C'est pour ça que je vous propose ce petit tuto afin d'organiser un point info retraite pour justement convaincre un maximum de personnes. Comment organiser un point info retraite? C'est très simple. Il suffit donc d'être deux ou trois personnes, d'avoir une table, des tracts, des bandeaux point info retraite que vous pouvez commander sur matériel.actionpopulaire.fr. Donc tout le matériel est gratuit, je le rappelle, hein, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Ensuite, l'idée, c'est de s'installer dans un lieu passant, par exemple un marché, une rue commerçante ou autre, d'installer une table et d'aller interpeller directement les gens en leur posant des questions assez ouvertes, en tendant toujours le track, bien sûr, avec le sourire. Bonjour monsieur, êtes-vous au courant de la réforme des retraites? Bonjour madame, est-ce que vous savez comment la réforme des retraites va vous impacter? Etc. Libre à votre imagination. J'ai regardé la feuille. Apporter également, pourquoi pas, un smartphone, une tablette afin de faire les simulations du collectif Nos Retraites, afin de montrer directement aux gens comment la réforme des retraites va les impacter concrètement. Injuste, antisocial et qu'on va tous se faire. Et donc l'objectif, c'est pendant 30 minutes à 2 heures de faire ce petit point info retraite afin de toucher un maximum de gens. Vous pouvez également aussi commander le kit argumentaire de l'Institut de la Boétie qui va vous donner vraiment des éléments de fond sur la réforme des retraites et des arguments pour aller convaincre un maximum de personnes. Et c'est parti! Et n'oubliez pas d'indiquer votre événement sur Action Populaire pour que d'autres militants puissent se joindre à votre point info retraite. Et c'est parti! Il est également possible de faire du porte-à-porte car on le sait que c'est une pratique militante qui est extrêmement efficace. Vous pouvez également monter des collectifs locaux contre la réforme des retraites dans votre quartier, dans votre ville, en y invitant les citoyens, les citoyennes, les militants associatifs, des organisations politiques et des syndicats afin donc voilà, de monter partout en France massivement des collectifs contre la réforme des retraites. Et c'est parti! N'oubliez pas, on a besoin d'une mobilisation générale afin de faire reculer Macron et son gouvernement. Donc pour cela, on vous attend dans la rue, à vos points info retraite et dans vos collectifs contre la réforme des retraites. À bientôt!